J'espère que vous allez très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul New Yorker. J'avais une carte cadeau à utiliser voilà, chez New Yorker donc, pour mon anniversaire. Donc, j'ai été choisir quelques petits trucs. J'aime bien ce magasin malgré que niveau des tailles, c'est pas terrible, c'est beaucoup pour les skinny. Hein, voilà. Mais j'ai réussi à trouver quelques trucs. Doudou a regardé hier soir. Il aime rien. Mais bon, voilà. J'ai pris des trucs qui changent un peu d'habitude. Enfin, que j'ai besoin pour renouveler un petit peu ce que j'avais. Donc on commence tout de suite. Tout d'abord, je me suis pris une chemise avec des petits chats. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais bon, qui dit chemise dit qu'il va sûrement falloir que je ressorte ma centrale vapeur et ça. Voilà. Mais ouais, parce que je vois qu'elle est déjà bien froissée. Donc ouais, il va sûrement falloir que je sorte la centrale vapeur pour la repasser à chaque fois. Et ça, c'est le petit bémol. Donc moi, je l'ai prise en taille XL pour la porter un peu loose quand même. Voilà. Donc, avec des rayures et plein de petits chats dessus. Celle-ci, il n'y a pas le prix dessus, donc il faudrait que j'arrive à vous le trouver. Est-ce que je vais la retrouver là-dedans? Étant donné que c'est que des diminutifs, des trucs qui ne veulent rien dire sur le ticket de caisse, je vais vous montrer un petit peu. Toutes les désignations, c'est des lettres suivies par des chiffres. Enfin, ça ne veut rien dire. Donc, je sais pas trop comment je vais retrouver ça. C'est FB6E. Est-ce que j'ai quelque chose qui s'appelle FB6E là-dessus? No. Est-ce qu'il y a un truc avec écrit 4? AOP4, je pense que c'est ça. 4,95€. Donc, voilà. Ça aurait été dommage de ne pas la prendre. Comme ça derrière et devant, elle a une petite poche à l'avant ici, donc voilà pour ça. Et je mets très peu de chemise et bon, j'en ai envie. Ensuite, je me suis pris un pull. Oui, on va être en été et je prends un pull, mais bon, moi j'adore les pulls et j'en mets quasiment toute l'année étant donné que je travaille sous clim. Donc il faut toujours que j'ai quelque chose à manche longue ou enfin voilà, faut toujours que je sois couverte, sinon je tombe malade. Et même en étant couverte, je tombe malade parce que la clim n'est pas entretenue. Mais ça, c'est un autre problème. Donc j'ai trouvé ce petit pull mauve avec des lassages en bas. Voilà, j'ai trouvé tout mignon. Et bon, il était à 4,95€, donc voilà. Je l'ai pris en taille L. Et voilà, je vais pouvoir jeter un pull que je ne peux plus voir en peinture à force de l'avoir mis. Donc voilà. Et j'avais pas dans cette teinte là. À trouver des excuses. Ensuite, je me suis pris une petite robe. Oui, j'ai pris une robe. Je l'ai prise en taille L. Est-ce que j'ai un prix dessus? Elle était à 12,95€, donc avec des fleurs, hein, c'est tendance de l'année. Hein. Donc elle est bleue comme ceci. Et au niveau des épaules, elle est comme ceci. Voilà. On va voir une partie de l'épaule. Donc voilà. Je ne sais pas trop si je la mettrai avec un leggings ou pas en dessous. Je ne sais pas encore. Parce que moi et mes jambes toutes blanches. Oui, c'est pas la peine de me dire faut que tu bronzes, tu fais te mets au soleil et tu vas bronzer. Non, je ne bronze pas, je reste blanche toute l'année et si je me mets au soleil, je fais des insolations et je finis rouge écrevisse. Donc j'arrête. Le soleil et moi, on n'est pas très copains. Donc voilà pour cette petite robe qui n'est pas forcément très très longue, hein. Elle arrive en haut des genoux. Hein. Donc c'est pour ça, peut-être plus la porter en tunique ou... Enfin, je vais voir. Mais bon, j'avais envie de m'acheter une robe.
Ensuite, je me suis pris les petites sockettes à 4,95€ aussi. Des sockettes licorne. Elles sont trop belles. Super, vous avez des roses basiques. Après, vous avez avec les arcs-en-ciel. Et un mauve. Ouais, mauve. Et là, oh, les petites licornes. Donc voilà. Pareil, c'est pour renouveler un petit peu la garde-robe. J'ai noté celles qui sont abîmées. Ensuite, je me suis pris une ceinture parce que la mienne arrive en fin de vie. Donc, je me suis pris une ceinture basique noire. Voilà. Tout ce qui est plus basique. Elle était à 2,95€. Voilà. Ensuite, je me suis pris un petit ensemble de bracelets. J'en mets jamais. Voilà, donc je vais essayer, je vais voir s'ils tiennent le coup avec le boulot. J'ai peur que ça tienne pas longtemps, donc voilà, ça coûte 4,95€ avec des petites couleurs corail et tout pour l'été. À porter séparé ou ensemble, ça peut être sympa. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris un sweat comme ceci. Voilà, il est quand même relativement léger et il est asymétrique sur le bas. Je sais pas si ce que je vous montre ici, on voit asymétrique sur le bas et sur le côté, il est fendu quand même relativement jusqu'à une certaine hauteur. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, mais voilà, il est quand même relativement fendu et pas qu'un peu. Donc voilà, j'ai trouvé sympathique. Je l'ai pris en taille L, il était à 7,95€. On voit qu'au niveau des prix, c'est quand même relativement abordable. Après, est-ce que la qualité, est-ce que ça va tenir? On verra bien. Mais voilà. Bella, qu'est-ce que tu veux? Tu veux dire bonjour? Bonjour. Bonjour les gens. On dit bonjour? Bonjour. Oh là là, t'as chaud toi. Comment tu fais? Tu veux que je te tombe? Tu veux que je te tombe? Je sais pas si vous allez voir, mais c'est ouf. Je sais pas d'où elle vient, je sais pas de quel pays elle est censée être d'origine, mais t'as un problème de poils quand même. Hein? T'as un problème de poils. C'est pas possible, c'est pas un chat européen. C'est pas possible. D'avoir des poils aussi épais et qui se perdent comme ça. Hein? Ensuite, j'ai pris une autre robe. Ouais, on a des chaleurs, mais bon, en même temps, je vais pas pouvoir les mettre pour aller bosser, donc voilà, ça sera pour le lundi. Le lundi à la maison ou pour mes vacances. Donc j'ai pris une petite robe comme ceci qui est cintrée à la taille. Il y a un élastique à l'arrière. Voilà, je sais pas comment vous expliquer ça. Vous avez une goutte, enfin une grosse goutte dans le dos. Voilà, devant, celle-ci je l'ai pas essayée, j'aurais peut-être dû. Devant, pareil, c'est super échancré, mais très très très, hein, allô, très très très, donc ça sera avec un débardeur, hein, parce que là clairement, c'est ouvert, hein, c'est ouvert là, donc, à voir comment je vais pouvoir porter ça. Puis bon, elle est plus longue que l'autre, celle-ci. Mais voilà. Ça avec ouais, un petit débardeur en dessous. Parce que moi, je vais pas montrer plus que ce qu'il faut. Hein. Et avec des petites manches comme ceci. Donc voilà. Oh, j'espère que je vais porter ces trucs. Mais il faut que je me mette un coup de pied au cul. Et je vous ai dit le prix, non? Elle était à 16,95€ celle-ci. Et la dernière pièce que je me suis prise, c'est encore un sweat. Comme ceci. Je l'ai pris en taille L à 7,95€.
Je trouvais joli avec le petit motif floral. Voilà. Derrière, vous avez une rainure tout du long. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, vous avez une rainure tout du long là. Hop, et les manches sont comme ceci. Ça tombe sur les épaules et voilà. Moi, je l'ai trouvé tout mignon. Donc, j'ai pris. Donc, voilà pour mes achats à New Yorker. En tout, j'en ai eu pour 70,55 €. Voilà. J'avais un bon d'achat de 60. Donc. Mais ouais, leur ticket de caisse, je trouve ça pas terrible, quoi. Pour retrouver à quoi correspond quoi, c'est bof. Donc, je vous remettrai peut-être les prix quand même à l'écran, si jamais. Voilà, mais voilà pour mon haul New Yorker. Je sais pas si c'est une enseigne. Je ne sais pas si c'est une enseigne qui est disponible dans toutes les villes. Nous, il est arrivé il y a récemment hein, sur Amiens. Mais voilà, j'aime beaucoup. Je trouve plus de choses à mon goût que chez H&M. Ouais, je sais pas. Mais H&M, j'arrive pas à me voir dans les fringues, mais alors du tout. Donc voilà pour ce haul. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.